C'est bon, tout le monde est à bord, c'est bon. Ok, on peut y aller. Direction Bordeaux. Ouais, on espère qu'on n'aura plus la pluie, hein. La petite pluie qui s'est ramenée là, petite pluie bretonne. Bon allez, bonjour tout le monde, ici Goblin et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Tour de France sur Fernbus. Et direction Bordeaux aujourd'hui. Et ça y est, hein. J'ai fait une petite sieste de 4-5 heures et ben on est à l'heure maintenant. Départ pour 9h43, les 9h40. On va même partir un petit peu plus tôt que prévu. La pluie est arrivée entre-temps, mais c'est pas bien grave. On va faire avec, on va démarrer tout ça, on va allumer nos phares bien évidemment. On peut même, alors pas ça, mettre les anti-brouillards à ce niveau-là, même arrière aussi. Hop, et puis je crois qu'on est ok, les essuie-glaces bien évidemment. On allume tout ce qui est clim, chauffage, enfin le tralala. Pour pas que ça râle, on fait l'appel. Hop, c'est ici, et puis je crois qu'on est ok. C'est parti! Direction Bordeaux. Alors, mon retour de force, c'est toujours les problèmes. Je vais l'augmenter d'une barre. Parce que là, j'ai peur que ça soit trop léger. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que le son du jeu, il est ok. Et le siège, il est pas réglé. C'est toujours le même problème. Bon, attendez, je règle mon siège. Voilà, on devrait être bon. Et puis, je crois qu'on peut y aller. Il n'y a personne. Je pense qu'on est ok. C'est parti! Allez. Le volant me paraît très très dur là. Ah là là, c'est. Hop. C'est bon. Ça devrait aller un peu mieux, mais là c'est un peu mou maintenant. Ah, on va voir, on va voir. Ça serait bien d'avoir l'itinéraire par contre. On n'a pas l'itinéraire alors. Bordeaux, Bordeaux. Parce que là il y a Rennes, Tours. Pourquoi on n'a pas l'itinéraire? Qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce que j'ai démarré la tournée? Bon, je pense que oui normalement, mais apparemment non. Descendre du bus. Problématique les départs ici, pourtant c'est bien démarré. Ah c'est bon, ça s'est mis à jour. Allez, en avant toutes. Lui me coupe un peu la route hein, quand même devant avec son 4x4. On espère que la pluie va rapidement cesser. Et il y a un petit McDonald's. Putain, je l'ai pas vu le petit McDonald's là. Moi j'ai j'ai mangé des sandwichs triangles à mon habitude des 9h. Oui, je mange des sandwichs triangles, j'avais rien d'autre pour le petit déjeuner. Putain, j'aurais pu prendre mon café là. Oh là là. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave, on fait avec. Hein. Et là, dans cette vidéo, on va juste se faire Bordeaux, du coup, ce qu'on avait vu, hein, que c'était un peu loin quand même. Et on a combien? On a 55, c'est parfait. On respecte les limitations de vitesse. Alors, je suis quand même allé au tabac ce matin, j'ai pris le petit journal pour voir les petites news. Apparemment, il y a une flash news hein, sur Alex Hunter, le joueur de Man U. Je vais regarder ça vite fait après. Apparemment, fin de carrière annoncée. Hein. Fin de carrière annoncée de monsieur Alex Hunter. Oh, c'est raide, c'est raide, c'est raide. Et son petit rond-point. Hein. On y va tout doucement. Je vais essayer de vous afficher le journal. Attendez, je vous mets. Je regarde avec vous en même temps. Alex Hunter, fin de carrière après la Coupe du Monde. C'est quoi ces conneries? Alors, c'est vrai qu'il en avait parlé en début de saison avec Manu, mais personne n'y avait cru à cette déclaration. Alex Hunter, suite à une blessure, mettrait fin à sa carrière après la Coupe du Monde s'il est remis sur pied à temps. C'est quoi cette blague? Il s'est blessé, Alex Hunter! Blessé lors du choc face à Everton à la 90e minute. Mais non! Vous êtes au courant, vous? C'est arrivé hier soir. Alex Hunter de Man U blessé apparemment fin de saison avec Manchester United. Et il espère être remis à pied, enfin remis sur pied pour la Coupe du Monde et il prendrait sa retraite après la Coupe du Monde. J'étais pas au courant, j'ai pas. Bah hier, j'ai pas vu en même temps rouler cette nuit. Donc j'ai pas mis le match. Aïe aïe aïe, coup dur. Coup dur pour Manchester United et pour Alex Hunter. Un joueur que j'apprécie beaucoup. Talentueux, qui porte Manchester United sur ses épaules. Qui a jamais été récompensé d'un ballon d'or et je pense qu'il en mérite un. Ah bon. Bah ok, d'accord. La petite news sur Alex Hunter, je ne savais pas. Et on arrive à un petit péage. Alors on espère que ça va pas être un péage à l'anglaise cette fois-ci. C'est bon. On va ouvrir notre vitre. Allez, on se dépêche. Petit billet. C'est bon. 8,20 €. Je crois que c'est une grande portion. Ah, ils ont changé maintenant les payages en France. Hein. On paye avant de rentrer sur l'autoroute. Ouais, c'est nouveau. C'est un nouveau concept. Ouais, c'est pour avoir moins de stations de payage. Comme ça, c'est plus rapide. Mais je comprends pas trop le concept, mais pourquoi pas.
Allez, 700 km pour nous. Très bien. Se mettre en vitesse max. On va faire attention parce qu'il y a l'air d'avoir un pont là directement. Ah, il y a un collègue qui passe là-bas. Il y a un collègue. Et pourquoi il y a des herbes? Waouh! On est sur une autoroute ou on est sur je ne sais quoi là, ici? On a failli se manger le platane. Ah ouais, c'est l'entrée de l'autoroute, elle est comme ça. Ouais, bah revoyez vos entrées d'autoroute. Hein, à Rennes. Non, on était à Nantes, pardon, à Nantes. Pareil, ça fait partie de la Bretagne. Enfin, Nantes, Rennes, on sait jamais si c'est vraiment de la Bretagne ou pas. C'est toujours un débat, ça. Bon, allez. 100 km, on est à 110. Non, on est à 100, c'est bon, j'ai cru qu'on était à 110. Je me disais, attends, on peut aller à 110. Et puis apparemment on est censé arriver pour 14 h, ok. Bah super. Petit régulateur de vitesse, hein, vous connaissez la chanson. On est même à 87 là, on n'est pas assez vite. Attendez, on va se mettre à 100 km quand même. Maintenant on respecte, mais il y a des limites quand même, on va pas à haut. Voilà. Hop. Bon bah, et puis j'espère que vous allez passer une bonne semaine en tout cas, hein, que votre lundi s'est bien passé. Et que votre mardi se passera bien également. Mais là je suis sous le choc hein, pour Alex Hunter moi. Eh, coup dur, coup dur. Allez, c'est parti pour de l'autoroute et bon, on va se mettre la radio forcément et puis on va avancer tranquillement. Monsieur, ça serait bien de répondre à votre téléphone, s'il vous plaît. Merci. Ah ouais, le téléphone, ça faisait 30 secondes qu'il sonnait. On me déconcentre pour ma conduite, hein. Vous le savez, j'ai besoin d'être concentré, surtout quand on conduit un tel engin. Pour l'instant, la pluie ne cesse pas. Hein. La pluie ne cesse pas. On va faire attention parce que les routes sont très glissantes pour le coup. Et objectif zéro accident. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais objectif zéro accident. Hein. Ah ouais, pas de trottoir, on veut pas de. Pas de rayures, rien, pas d'accroche. Surtout pas. Et dépêchez-vous de me doubler, merci. Ah ouais. Non, j'ai cru que le téléphone ressonnait. Hein. J'entends des voix dans ma tête. Maintenant, je suis martelé hein, par cette sonnerie de téléphone là. Je vous informe que j'ai pris une petite soufflante hein, par rapport à mon boss de petit plus. Il voit que je prends pas mes temps de pause correctement. Du coup, il faudra penser à prendre plus régulièrement nos temps de pause parce que ouais, je suis souvent hors délai hein, niveau mon temps de conduite. Donc, on fera une petite pause hein, avant d'aller arriver sur Bordeaux. De toute façon, je pense que vers midi, ça serait bien de manger un petit bout. Parce que j'ai aussi ouais, j'ai des avis après chaque arrêt et puis j'ai eu des passagers ils sont pas contents parce qu'ils ont pas les postes toilettes. Alors il y a des toilettes dans le bus hein, mais bon apparemment ça leur plaît pas d'aller aux toilettes quand un véhicule roule. Bah, écoutez ça c'est pas mon problème après mais bon on va quand même se mettre à respecter un petit peu plus les temps de pause. Non, c'est pas possible. Mais oui, mais oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On s'arrête sur le bas-côté, on s'arrête sur le bas-côté. Oh la dinguerie qui vient de se passer. Ouais. Oh la dinguerie qui vient de se passer. Warning, warning. Ça a pilé devant moi. Du coup, j'étais soit je vais rentrer dans le derrière, soit je me déportais sur la gauche. Il est parti l'autre parce que moi je suis prêt pour faire un constat. Hein. Oh là 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 là. Faut pas le voir, faut pas le voir. Ah il est parti je crois. Oh non, en plus j'ai dit juste avant. Objectif zéro accident. Je suis pas responsable hein. C'est l'autre là devant, il me pile comme un fou. On est sur l'autoroute, c'est 130 pour eux. Le mec il pile à 40 km/h s'il vous plaît.
que voulez-vous? Que voulez-vous? Elle est donc obligée de me déporter sur la gauche, donc il y avait une voiture sur la gauche. Je sais bien, je sais bien. Oh là là. Premier réel accident là. On va. Il a pas laissé passer. Il a pas tout. Ah là là, coup dur, coup dur. On va essayer de sortir. Mais regardez aussi sur l'autoroute ce qu'ils font. Mais oui, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils font? Après, on s'étonne qu'il y ait des accidents. Et vous, monsieur, derrière, vous allez répondre avec votre putain de téléphone parce que sinon vous allez descendre ce bus. Eh ouais, là, le chauffeur Goblin. En colère. C'est incroyable. Et puis là, dans la montée, on a du mal à repartir. Ah oui, bah la gendarmerie serait peut-être temps d'intervenir. Hein. La personne est en train de me décaler. Hein. Bah voilà, monsieur se décale devant quand j'arrive. Bah oui, les gendarmes, là faudrait peut-être agir, hein. Peut-être faire quelque chose. Hein. Bande de chauffards. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pour ça que ça a pilé tout à l'heure. Même pas les warnings, le camion. Il bloque tout le monde. On est en colère parce qu'on voulait pas d'accident et voilà. On a eu un sacré accrochage là. Hein. Ah, je vais me faire taper sur les doigts moi. Et le Tour d'Europe, je vais pas être admis. Hein. Avec ces conneries. Hein. Allez, musique. Allez, il y a une petite aire de repos là, l'air d'élan. On va s'y arrêter, on va aller manger un peu, ça va. Ça va enlever notre colère un petit peu. Pause tout le monde, pause tout le monde, pause une demi-heure, pause déjeuner, pause pipi. Ouais, on va regarder l'état du bus. Hein. Bon, attention. Nous on peut se garer là-bas. Très bien. On espère que la pluie va bientôt cesser, hein, mais elle a pas l'air de vouloir s'arrêter la pluie. Hein. Allez, petite pause. Et l'autre qui répond toujours pas à son téléphone. Alors on va essayer de pas être énervé. On va essayer de pas s'énerver. Allez, petite pause, on coupe tout. Hop. Voilà. Tac. Petite pause d'une demi-heure. Une minute. Regardez. Attendez, on va fermer les trucs à clé par contre. On va fermer les sous-à-clés. Mais oui, 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 parce que là, on sait jamais. Là, on sait jamais. Alors, c'est ici. Qui fait de vol. Hop. Eh ben, elles sont fermées à clé. C'est bon. Impeccable. Les soutes sont fermées. Hein. Vous me demandez si vous avez besoin de vos bagages. Pas de soucis. Bon appétit à tous. Hop. On va aller manger un petit peu, là. Oh, regardez, le petit paynet. Sympathique, petit restaurant, là. Bon, ça va toute une demi-heure, je pense. Allez, moi, je vais manger un bout. Je mange, je décompresse un petit peu et puis on se retrouve après. Voilà, j'ai le vide plein, j'ai bien mangé. Bon, par contre, il pleut toujours, hein, il pleut toujours. Allez, on y va. Bon, on va à la droite, mais je peux pas avoir de véhicule à droite. Comment il est le bus là? Parce qu'on a un peu abîmé, hein. Et ouais, 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 on fera le pare-choc. Par contre, je vois pas trop, je vais prendre un petit pouliche là, on va nettoyer tout ça. Hein. Bon, après, sinon, il est ok. Il est ok. Hey, il est ok, pas de soucis. Allez, bonjour. Pardon, bonjour. Bonjour. Les tickets s'il vous plaît, on contrôle tout le monde. On arrive à quelle heure madame à Bordeaux? Vers 14h normalement, pour 14h pile. Je vous ai vérifié, ouais. 2, 3. Ouais, on va dire que oui. Vous c'est bon. Hop. Tickets s'il vous plaît, merci. Ouais, ils sont difficiles à donner leur ticket, là, bon, on va dire que c'est ok. Attendez, je contrôle derrière en premier, merci bien. Pas d'imposteur dans le bus. C'est bon. Bah, Géo, décidément, tu changes tout le temps de place et de tenue. Tu changes même de nom. Ah, ça va. Tu passes un bon voyage quand même.
Très bien. Ah, tu t'arrêtes à Bordeaux? Je crois que t'allais pas à Marseille. Non, à Bordeaux. Bon, okay. Bon bah, on quittera à Bordeaux, Géo. Très bien. Pour ceux qui ne savent pas à qui je fais référence à GeoGame. Comme on s'en parlait beaucoup. Hein. Très bon collègue youtubeur, il fait des très très bonnes vidéos. Il fait du Euro Truck Simulator notamment sur sa chaîne et de la F1 aussi et d'autres jeux. Et franchement, ses vidéos elles sont vraiment pépites. Attendez, j'ai pas pu me contrôler. Monsieur, votre ticket s'il vous plaît, c'est bon apparemment. Oh, il manque des gens, il manque des gens. Et il manque toujours une personne, c'est fou. Qui ne veut pas donner son ticket? Bon, moi je recontrôle tout le monde. Bon, qui n'a pas donné son ticket? C'est fou. Toujours une personne qui veut pas donner son ticket. Bah voilà, c'était vous, monsieur. Hop, impeccable. Vous me l'avez montré, non, vous ne l'avez pas montré, c'est faux. Dites pas n'importe quoi. Comment? Vous n'êtes pas content, vous descendez ici hein, si vous n'êtes pas content. Ouais, non mais oh, critique là, c'est bon. Allez. Attendez, comment monsieur? C'est qui a dit ça? Je suis pire qu'un chauffeur de taxi. Vous descendez à Bordeaux? Ah bah tant mieux. Non mais sérieusement, critique comme ça, là, allez. Alors, on va y aller. On va y aller, on a assez perdu de temps comme ça là. On est énervé. On avait dit qu'on allait s'apaiser. Et finalement c'est pas le cas. On n'avait pas mis le frein à main, tout va bien. Là on est bon pour ça. Et la machine à café, elle est ok. Hop, on fait l'appel comme ça. Les portes sont fermées, on y va. Allez. Bon allez, on est un peu apaisé quand même, j'ai bien mangé. J'ai pris mince, des lasagnes, voilà, je trouvais plus le nom. J'ai pris des petites lasagnes, c'était pas mal. C'était pas mal. Et ça bouchonne à la sortie. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah mais les temps de pluie. Ah ouais. Oh là là, monsieur avec son camion là. Si on s'en sert, on peut. Et il y a une nouvelle aire juste après. Il y a deux aires de repos côte à côte. J'aime pas le concept. Ah mais c'est parce que là ils mettent la station service. Bon, c'est peut-être pas très économe hein, de faire comme ça. Ouais pourquoi pas. Nous on est comment niveau jauge? Ouais c'est bon, on est bon. C'est très risqué ce que j'ai fait mais c'est maîtrisé, vous inquiétez pas. Et alerte bison futé à l'instant. Ça vient de tomber à l'instant. Déviation. La route est bloquée derrière. Ouais, ça vient de tomber à l'instant. Je regardais un petit peu. Enfin, j'écoute un peu la radio. Et alerte bison futé. La A10 est bloquée en direction de Bordeaux. Déviation vers Limoges. Ah là, ça nous fait un détour. On va arriver plus tard que prévu. Je vais prévenir les passagers. Mesdames et messieurs, petite information. Je viens d'être informé que la A10 est actuellement bloquée suite à un accident entre un poids lourd et une caravane. Et obligé de faire un détour. Merci de votre compréhension. Ah, ça râle, ça râle, ça râle, ça râle. S'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. J'y suis pour rien. Vous inquiétez pas, le détour ne va pas être si long que ça. Et ouais, ils sont pas contents, ils sont pas contents. Forcément. Détour vers Limoges. Je ne crois pas hein, que. Oui, voilà, symbole autoroute déjà barré. Hein, parce que je ne crois pas qu'il y ait une autoroute qui va à Limoges comme ça. Attention, ça va passer par des routes de campagne, à mon avis. Le péage, du coup. Ouais, ça râle encore, hein. Bah ouais, je sais bien, je sais bien. Prenne, prenne, prenne. Ah, c'est les aléas, hein. C'est les aléas, malheureusement. On est bloqué. On est du bon. Ah, je vais mourir, hein. C'est bon, j'ai pris le ticket. J'ai payé, du moins. Si. Bon, bah voilà, un petit détour. C'est comme ça. J'espère que ça va le faire quand même. On aimerait que la pluie cesse, hein, mais la pluie ne cesse pas. Et ça, c'est assez problématique. Et puis là, même si le GPS il dit que c'est limité à 100 km/h, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr qu'ici ça soit 100 km/h. Hein. On va se mettre plutôt à 80, nous, dans le doute. On va même pas mettre le régulateur de vitesse parce qu'à tout moment,
Il y a des virages dangereux ou des animaux qui traversent ici. Et ouais. Bah, c'est les aléas de la vie, malheureusement. On va voir hein, ce que combien de temps ça va nous faire en détour. Hein. Ah, moi, je mise sur une bonne heure quand même. Hein. Une bonne heure de détour. Hein. Ouais. Il n'y a pas trop de monde sur la route, c'est cool. Puis voilà, ça nous fait passer par des petits chemins de campagne, ça change un peu de l'autoroute. On peut pas vraiment profiter là parce qu'il pleut, on voit rien, mais le coin il est quand même sympa. Hein. Au milieu de plaines et d'arbres. Ouais, ça donne envie de se poser ici avec un bon soleil et être tranquillement dans les bois et lire un bouquin. Oui, je divague un petit peu, je suis dans mes pensées, bah, il faut s'évader un petit peu, parce que toujours la routine, le travail et tout. C'est pas évident, hein, c'est pas évident, hein, vous savez, hein, j'ai une compagnie de transport chauffeur routier en Allemagne, je fais le tour de France ici, j'ai un énorme projet de mon côté en Allemagne. Concernant un petit club de foot, voilà, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de travail. J'ai pas une vie facile, hein, croyez pas que j'ai une vie facile, c'est compliqué. C'est compliqué, et du coup, voilà, des fois on a juste envie, voilà, de se poser tranquillement dans les bois au milieu de nulle part, et puis lire un bouquin, tranquillement. Se ressourcer, pardon. Et oui. Ah, c'est la vie, hein, que voulez-vous? On arrive à un petit rond-point. Nous, je crois que ouais, il faut prendre direction Toulouse en soi. Attention, on doit s'arrêter parce qu'on ne voit pas. On a bien fait de s'arrêter. Il ne met pas son clignotant, merci. J'y vais, je peux y aller, merci. Personne ne met leur clignotant, très bien. Donc, je crois qu'il faut suivre Toulouse maintenant pour rejoindre Bordeaux. Il y a une autoroute pas très loin, je crois qu'elle a à 86, quelque chose comme ça, je sais plus. Et on devrait rejoindre une autoroute pour relier Bordeaux. Petit détour du coup, mais ça va, ça va. Pour l'instant, on reste sur des routes à 80. Ah, bonne nouvelle, la pluie commence à cesser alors que cette départementale elle est infinie. Ça fait plaisir, la pluie qui s'arrête un petit peu. On va pouvoir couper les anti-brouillards. Ah, déjà c'est un peu plus joyeux et ça y est, on quitte cette route. Alors faut arrêter de mettre des sections à péage partout. Hein. Moi je comprends pas trop le concept. La France elle a bien évolué. Hein. Moi je suis parti aux États-Unis pendant plusieurs mois et puis avant j'étais en Angleterre, donc ça fait un moment que je suis pas revenu vraiment en France. Ça a bien évolué hein, et vous avez vraiment changé votre système de péage. C'est encore plus pour piquer de l'argent français. Hop, un petit ticket. Ouais, bah, c'est cher hein, pour ce que j'ai fait là, je comprends pas pourquoi. Bon, bref, c'est pas grave, c'est moi qui paye hein. C'est la carte de Flixbus que j'ai hein, donc c'est pas un problème. C'est bon, on est ok. Ouais. La France a bien évolué. Et pas dans le bon sens au niveau des péages, je comprends pas trop leur système. Bon, on rejoint une autoroute, donc voilà, on a Bordeaux. On a Bordeaux, c'est bon. On devrait arriver, hein. On est censé arriver d'ici 1 heure. On va être dans les temps, je pense. Ça fait plaisir. On s'est engagé à l'aveugle, hein. Franchement.
Est-ce que j'ai le temps de manger mon poids lourd? Oui. Merci. Là, il a ralenti pour me laisser passer, c'est gentil. Collègue poids lourd, respectueux. Ils ne le sont pas tous, mais il y en a, ils sont très respectueux, ça fait plaisir. On va le doubler. Oula, on va le doubler ici, c'est très risqué, c'est très risqué. Parce que les routes sont encore trempées, hein, donc ça glisse pas mal, hein, je le ressens. Hein. Surtout avec un tel engin. Allez, on se retrouve sur Bordeaux. S'il n'y a pas de misère, tout devrait aller. Collègue à plus à étage devant. Pas du tout, c'est un camion poubelle. Oh, le non-respect pour les bus à étage. Excusez-moi. Allez, je crois qu'on arrive bientôt sur Bordeaux. Il est 13h40. On est dans les temps. Malgré le détour, hein, finalement. On est très bien. Hein. Mais c'est ça qu'on a un chauffeur hors pair. Bon, je me jette un peu des fleurs, mais il faut. Parce que c'est pas vous qui allez m'en jeter des fleurs, alors vous allez me jeter plutôt des ronces et des orties. Donc, je préfère me faire des fleurs moi-même. Mais qu'est-ce qu'il fait devant? On va klaxonner à fond parce que... Il s'est rabattu devant moi et j'ai eu très peur qu'il se rengage devant. Oh là. Et on va arriver, on commence à avoir des entreprises. On rejoint Bordeaux, le pays de la chocolatine et de l'accent du sud. J'essaye de le faire, je sais pas le faire. Il y a les montagnes devant là. Oui, il y a des montagnes. À Bordeaux, il n'y a pas de montagne. Enfin, il y a la dune du Pilat. Là, vos Pyrénées. Les Pyrénées, c'est quand même bien dans le sud de Bordeaux quand même. Où on est? On s'est perdu. Collègue en face. Et attention, attention. Ils ont une manie, les autres. Après, voilà. Ouais, bon, en même temps, là, c'était tendu comme virage. Ouais. Ça l'a fait. Faut pas s'inquiéter. Hein. Même si j'étais très inquiet, j'avoue. Allez, on arrive. Tranquillement. Voilà. La métropole de Bordeaux. Nous y sommes. Alors, je vois pas de panneau qui dit Bordeaux, mais je crois qu'on y est quand même, je pense. Je pense. Ça me paraît bizarre, hein, quand même, je vois pas de panneau Bordeaux. J'espère qu'on va pas louper une sortie, hein, j'en serais capable. Je m'engage, hein, tu me laisses passer ou pas? Pas du tout. Non, moi j'y vais, hein. Oula. Bordeaux à droite. Ah, faut faire le forcing. Hein. Faut faire le forcing parce que sinon. Encore un péage. Non, mais arrêtez là, c'est bon. C'est incroyable. Moi, je comprends plus rien. Pourquoi? Là, il avait pas besoin de s'arrêter. Ralentir, je veux bien, mais il pouvait contourner le camion. Allez. C'est une station en anglaise ou ça se passe comment en plus? Ah, c'est bon, c'est dans les deux sens. Hop, on va s'arrêter. 28,30€, mais j'ai fait combien? Qu'est-ce qui se passe devant? Bon, ça c'est Mauricio, ça. Ça c'est Mauricio, là. Il a voulu forcer, il a pas voulu payer le péage. Je peux comprendre, 28 balles. Mais il a disparu du coup. Il est parti, il avait marre. C'est quoi que je cherche moi? C'est fermé ma fenêtre. C'est bon, j'ai pris mon ticket, j'ai payé. Vous pouvez m'ouvrir, hein, j'ai payé déjà. Hein. On va pas payer deux fois quand même. Hein. Merci quand même. Et... Ok, ça reste une double voie. Il est 14h. On commence à être bientôt en retard. Et on est peut-être pas encore arrivé à Bordeaux, hein. Moi je croyais, mais
Si, c'est bon. Les stations service. Ouais, c'est bon, on est dans Bordeaux. On est à l'heure, à combien d'essence là? Pas vu, diesel 1,38? 1,39? Oh, c'est pas cher. C'est pas cher. Maintenant, trouver la gare routière à Bordeaux. Ouais, donc bienvenue à Bordeaux, ça fait plaisir. Ça va être une bonne question, cette gare routière, où elle va être? Au centre de Bordeaux, j'imagine. On a la gare Saint-Jean, bah, je pense que c'est ça, et le centre-ville. Moi j'irais bien à la gare Saint-Jean, mais ça doit être la gare ferroviaire du coup. Mais la gare routière elle est peut-être à côté, non? Je sais pas trop pour l'instant où on va. De toute façon, il n'y a pas trop le choix, on suit la route pour le moment. Et je pense qu'il va falloir prendre sur la gauche. Si on en suit le GPS, mais je suis trompé de route. C'est super, c'était très mal indiqué. Où on va là? Mon Dieu, oh non, 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 où on va? Oui, et bah je sais pas où on va, mais on y va. On va direction la station service, ok. Pas grave, on va pouvoir faire demi-tour au bout, c'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas de nouveau péage, on est ok, hein. C'était très mal indiqué les panneaux aussi, hein. Et les voies de circulation, pareil. Hein. Bah c'est pas là la gare. Ouais, je sais pas comment on y va. C'était très mal indiqué, j'avais peur d'être en contresens. Et on va dépasser l'heure, hein. On devait être arrivé là. Et ouais. Bon, il faut pas oublier qu'on a dû faire un détour, hein, passer par Limoges. Pour moi, on visite un peu Bordeaux comme ça. Ouais, on va devoir faire demi-tour là-bas, ça va être compliqué, j'ai l'impression. On pourra accélérer le pas pour le prochain trajet. Avant on avait 4 heures d'avance, maintenant on va être en retard. Un sacré comble quand même cette histoire. D'accord, ça c'est un. Ok, un cul-de-sac. Pourquoi pas. Hop, on fait demi-tour en moins. Il y a du monde, hein. Et ouais, tout le monde. Mais tout le monde s'est trompé de route. Ça, c'est tous des gens qui se sont trompés. C'est tellement mal indiqué. Ah, je suis pas le seul. Ah, là, vous pouvez pas remettre la faute sur moi. Hein. Regardez, on était une quinzaine. Peut-être pas 15, mais au moins une dizaine. Ah, ouais, c'est très très mal indiqué. Et surtout que le panneau indique station service. Faut me dire où elle était la station service là, de ce côté-là. Hein. De toute façon, je le sais que Bordeaux, c'est mal foutu, Bordeaux. Bon, on va se dépêcher parce que là, on est sacrément en retard. Hein. Ouais. Ah, on ne remettra pas les pieds à Bordeaux. Ah, c'est bien, ils ont de la plage, ils ont de la dune du Pilat. Ouais, ils ont des routes qui sont mal indiquées. La gare routière à la gauche, ok, ça j'ai bien compris maintenant. Un collègue. Fait le deux parts pour leur. Et il m'a fait très peur lui. Allez. Ouais, c'est ça, hein. Là on est bon, je pense. Et encore, j'ai un doute, hein. C'est très mal indiqué, on comprend rien. Ouais, c'est ça. Mais, on a l'impression d'aller en sens inverse. Parce qu'on va aller sur la voie de gauche là, non? Ouais, je comprends pas trop là. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Regardez, il y a. Comme si on était en contresens. Ah, vous pouvez pas me retirer que c'est très mal indiqué quand même. Regardez! On se croirait en Angleterre. Moi, je vais tout droit du coup pour rejoindre la gare. Bah, c'est bizarre. Allez. Je vois qu'à droite il y a la cité du vin. C'est dommage que qu'on est à la bourre maintenant. Parce que moi je serais allé manquer une bouteille de vin. Je sais que le rouge de Bordeaux c'est quand même de qualité. Ça c'est vrai. C'est quand même de qualité avec les petits cannelés. Oh, je me serais fait un petit festin là. Ouais, bon c'est pas grave. Pas grave, tant pis, hein. Hop, nous on prend à gauche. Avant que ça passe au rouge. Parfait.
Ouais, c'est un sacré détour pour aller à la gare, hein. C'est un truc de fou. Vous roulez trop vite, oui, non, mais là on est en retard. Hein. Je vois pas les feux, c'est vert, allez hop, on y va, on sait pas. On commence à être sacrément en retard là. C'est vert, allez hop, j'allais dire, de toute façon, le feu, vous le voyez pas, vous fermez les yeux, c'est passé au vert, impeccable. Hop, façon de faire de retour. Je me suis trompé, c'est incroyable. Non, mais c'est très mal indiqué, c'est incroyable, mais c'est un foutage de. C'est un foutage de gueule ici. Non, mais marche arrière, attendez, attendez. C'est quoi ce bordel? Oh là là, mais c'est quoi cette dinguerie? Oh, mais plus jamais remets l'épée à Bordeaux, hein, plus jamais. C'est un truc de fou. Ne vous inquiétez pas, il y a un petit. On va pouvoir couper comme ça. Bon, je pourrais reculer jusqu'à là-haut, mais. C'est bon, là, c'est en retard. Et plus jamais Bordeaux. Plus jamais de ma vie, on y viendra, hein. Hop. Et ça va, on n'a pas une smart non plus, on a un bus, on est assez haut. Il est temps que ce trajet se termine. Hein. Alors je sais, hein, c'est là-bas que je dois me garer. On va se faire la marche arrière du seigneur. Ça va le faire, ça va le faire. Même si moi il est marche arrière, c'est pas forcément ça. On est bon, on est bon. Vous savez quoi, regardez. On va même se la jouer à la caméra de recul. Si on peut. Attendez. Parce que là, je suis pas sûr de faire ce que. Ah oui, c'est plus raide que ce que je pensais. Pas évident, pas évident, pas évident. Le bus a pas tourné aussi bien que ce que j'aurais voulu. C'est où que je dois aller, moi, là? C'est où que je dois aller? Oui, monsieur, je vous gêne. Ah oui, c'est ici comme ça. Faut que j'incline à fond. Voilà. Voilà. Hop. On est bon. Alors la caméra zoome beaucoup, hein, vous inquiétez pas, regardez. Vous avez vu comment ça zoome? On a l'impression qu'on va toucher le trottoir, mais en fait pas du tout. Hop, on va quand même se raligner. Oh là là, cette manœuvre, elle était très périlleuse. Hein. Et c'est réussi, impeccable. Voilà, bon, excusez-moi à tout le monde. Ça a été compliqué. Hop. Voilà, on stoppe tout. Et vous allez pouvoir descendre. J'espère que le trajet, vous avez quand même apprécié. Vous me mettrez 0 étoile sur 5, monsieur, vous. Bah, écoutez. Hein. Mettez-moi 0. Hein. Bon, bah, sur ce, j'espère que... Madame, vous passez. Non, c'est bon. J'espère que cette petite balle vous aura plu. On va quand même donner les bagages aux personnes qui doivent descendre ici. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du Tour de France sur Fernbus. Merci à vous, prenez soin de vous, bye bye.